donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'Alpha. Coucou. C'est Michel. Non, c'est vrai. Et donc on se retrouve pour une petite présentation des achats de bon compte qu'on a fait récemment, n'est-ce pas? Moi je me suis acheté une prostituée récemment, mais. N'est-ce pas? Vas-y, quand tu vas présenter, hein. Ouais, ouais. Peut-être que tu penses à nettoyer. Bon, je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Donc, eh bien, on va commencer avec une magnifique Rosalie, achetée 25€. Donc, le ressort est décédé, mais le mécanisme marche toujours. Ce n'est pas un problème. On peut donc toujours l'adapter sur le fusil de baie. Ça ne bouge pas. Ensuite, toujours dans le français, écart français 14, 18 ou 40, on ne sait pas, ça a été utilisé durant les deux guerres. Un petit car aussi, ça passe toujours dans un camp, etc. Couvercle pour gamelle française, pareil, 14 ou 40, on ne sait pas si c'est utilisé par les deux guerres. Acheté même pas. C'était soit 1,50€. Avec les packs, ça faisait 1,95€. Lol. Donc qui va avec la gamelle. J'ai failli. Voilà. Allez. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, explique. Des boîtes pour le graissage, donc allemande, seconde guerre, qui pour la petite histoire ont été trouvées sous un plancher lors d'un chantier dans un ancien KGB. Ils avaient été retrouvés avec des restes de cuir. Ensuite, il y avait aussi une plaque d'identification qui soupçonne être plaque. Et donc un sac à pain. Française, donc 14-18. Il a bien morflé. Hein. Il a bien morflé, mais il a une très bonne patine. Moi, je ne foutrais pas une baguette là-dedans, perso. Ah, moi, je voudrais. C'est à moi, c'est ça? Non. Vas-y, rapproche-toi. Eh, rapproche-toi, caméraman. Ensuite. Non, ça, c'est tes objets. Ouais. Donc, ensuite, nous avons. Donc, ici, nous avons une magnifique machine à écrire Remington. Donc, qui est censée marcher. Sauf qu'il y a un petit souci avec les touches qui ont du mal à rentrer, voilà, qui se bloquent. Donc ça c'est juste la crasse. Il faudra juste aussi racheter des bandes pour l'encre et tout ça. Mais sinon elle est en excellent état et même d'origine. Voilà. Non mais sinon fais ta vie, hein, Ouais, c'est bon. Alors quant à moi, je suis en train de me faire une tenue anti-résistant. Donc je n'ai pas acheté beaucoup de choses, hein, comme évidemment. J'ai acheté. Vas-y, rapproche-toi, Jack. Rapproche-toi. C'est une sangle qui date de quand? De quand c'est déjà? 40. Donc il y a un petit trou au centre, je crois que c'est une sangle française. Que je vais utiliser dans ma tenue avec des cartouches, etc. Ici, bon, on a une gourde. Une gourde française de 14-18, c'est ça? Oui. Non, FR40. Là c'est très simple, il y a un gars, j'ai voulu y négocier, il a dit, il y en a un autre qui a négocié pour me le revendre moins cher, qu'est-ce qu'il vendait. Le gars a dit tout simplement que j'étais agressif en affaires, j'ai été tenté de lui éclater la tête contre le plan de travail pour lui montrer comment c'était être agressif. Et enfin, mon achat compulsif. Je pense que c'est une Dragoon 1759, je crois. Une repro de Dragoon. C'est un pistolet à chien. Qui l'a cassé. Donc, qui était déjà cassé, déjà ça c'était cassé. Donc tout simplement, Winston, si gentil comme il est, l'a acheté et n'a même pas eu 3 secondes de pur plaisir à pouvoir utiliser le mécanisme que je lui ai déjà acheté. Et tout simplement, c'est une belle repro. Et sachez que je suis avant tout passionné de piraterie avant d'être passionné de militaire. En fait, t'as pas de tenue de pirate alors? Ta vie parce que la vidéo sinon va durer 300 ans. Et j'ai oublié un petit truc, un petit bouton équipement militaire d'origine. Hein, alors lui, il a le droit de se rapprocher de la caméra, mais moi tellement... Donc, tout ça pour dire que nous avons présenté tous les objets que nous avions achetés récemment à la brocante. Parce qu'il a obéi à ses internautes qui font des commentaires comme une grosse victime. Mais putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain! Bref, donc nous avons une information à vous faire part avant de vous.
C'est mon droit d'être dissident. Ouais, attends, on passe. J'ai perdu le fil avec vous là, merde. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à faire part de vos appréciations en écrivant un commentaire. Sur ce, c'était Alpha, c'était Winston, c'était Joachim. Salut les potos. Salut. C'est Karim.